Se promettre d'aller au charbon, bien évidemment, pour essayer de l'emporter. Ça va être un match véritablement indécis, Ahmed Lalibi. Oui, indécis. Puis les confrontations entre la GSK et le Kaba Bordjelidj ont toujours été, si vous voulez, Mohamed, très palpitantes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après 8 mois d'arrêt, j'avais dit tout à l'heure qu'il ne faut pas trop demander à ces joueurs. Maintenant, il faut essayer de les accompagner au fil des minutes, au fil du match. Et j'espère qu'à la fin, ils seront moins fatigués. 20 minutes de silence, je l'avais dit. À la mémoire des regrettés, Mohamed Chitef Hennachi, ancien joueur international, ancien président de la JS Kabylie pendant une vingtaine d'années, il faut le rappeler. Et bien évidemment, Arzqi Maghrissi, l'ancien international, et qui a participé, qui est en équipe nationale lors des Jeux méditerranéens 1979 à Split, dans l'ex-Yougoslavie, en 1980. Dites-vous bien, aux Jeux Olympiques de Moscou, l'ancien défenseur latéral gauche de la JS Kabylie. Le monsieur Boukhalfa, bien évidemment, va consulter son rectangle vert pour voir que si tout est en place, bien évidemment, très bonne organisation aujourd'hui, il fallait le souligner, pour ce premier match à l'ère du Covid, bien évidemment. Et c'est parti à l'instant même entre la JS Kabylie et le Kaba de Bordjelidj, je le disais, en tout cas une très très bonne organisation et toutes les mesures sanitaires ont été prises et bien appliquées au stade du 1er novembre. Oui, c'est vrai, Mohamed, bien souligné, protocole oblige. Aujourd'hui, on a vu que c'est vraiment très strict, c'est discipliné, c'est organisé. Il y va de la santé de tout un chacun. La JS Kabylie qui va engager. Côté JS Kabylie Souyed qui va lancer au milieu de terrain. Avec Hamoun qui va remettre. Ça joue en triangle. Mauvais contrôle et bonne anticipation de la part du Bordjien. Et ça repart Boubouni Atman. Quel beau crochet en tous les cas. Il va peser une balle qui s'en va carrément à gauche. Dangereusement de réparation. Et quelle intervention de la part de Oussama sur cette balle de Ben Othman. Très très bien vu en tous les cas. Et c'est parti, si vous voulez, de la part de Hamroun qui a voulu faire un contrôle alors qu'il fallait jouer à une seule de touche. Et puis vous avez vu la balle que donne Ben Othman sur son coéquipier. Heureusement que Ben Bot était bien placé. Sinon, ça aurait pu faire mouche et premier but pour le Kaba. Il faut faire attention. C'est la troisième occasion, en tous les cas. Regardez, mais alors une balle qui allait prendre, la direction de la lucarne. Et très, très belle anticipation. Parade spectaculaire de la part de Bounbout. Attention à ce corner à partir de la droite. Ça bouge énormément. Dans la surface de réparation. Tirer une balle de la tête qui passe à côté. Une balle de la tête qui passe à côté, que c'était bien vu. Oui, erreur de marquage de la part de la JS Kabylie. Et les balles sont très difficiles au premier poteau. Ouais, très, très difficile, personne n'est allé vers lui. Regardez, on voit en tous les cas qu'il était bien ajusté. Ça prouve que ce sont des coups de maître qui sont travaillés à l'entraînement. Ouais.